Exactement. Cette vidéo, je l'ai faite spécialement aux abonnés qui m'ont demandé de parler du système éducatif au Canada. Donc, comment être enseignant ou éducateur au Canada? Donc, premièrement, ici, c'est nous sommes au site en fait de Emploi Québec ici. Et donc, il suffit simplement de taper sur Google comment devenir enseignant au Canada ou au Québec. Et vous allez tomber sur cette page-là. Cette page-là s'appelle donc Immigrer et enseigner au Québec, OK? Donc ici, ils vont vous expliquer un peu que l'éducation est au cœur de la société québécoise et que c'est l'une de ses valeurs fondamentales. De plus, le Québec affiche des taux de chômage très bas et d'excellentes perspectives d'emploi. Ça, c'est très vrai. Si une personne veut travailler au Canada ou au Québec, là, il n'y a aucun problème. L'emploi est facile à obtenir, peu importe ton domaine de compétences, OK? Donc, notamment dans les domaines de l'éducation. Le système éducatif québécois est établi sur une base linguistique francophone et anglophone et selon la langue d'enseignement de chaque école. Je sais que tout est écrit, mais je veux vous lire quand même. De plus, l'État québécois et ses institutions sont laïques, ce qui signifie que leurs décisions et leurs actions sont indépendantes des pouvoirs religieux. Ainsi, certaines personnes, notamment des nouveaux enseignants, ne peuvent porter, okay, ne peuvent porter un signe religieux dans l'exercice de leurs fonctions. Ça, c'est très important à comprendre et à prendre en considération. Que vous enseignez ou non dans votre pays, il est possible de devenir enseignant au Québec. Une formation supplémentaire peut être demandée, OK? Donc là, vous comprenez que même si ça fait 20 ans, 30 ans que vous enseignez dans votre pays, il se pourrait qu'on vous demande des compétences supplémentaires ou des formations supplémentaires afin de pouvoir exercer votre profession ici au Canada. Donc, pour plus d'informations en lien avec l'immigration, consultez le site Gouvernement du Canada et Ministère d'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Cependant, cette partie, on va y revenir plus tard parce que moi, je vais vous emmener plus au niveau des conditions, donc les différentes voies d'accès menant à la profession enseignante pour des personnes titulaires d'une autorisation d'enseigner délivrée à l'extérieur du Canada, c'est-à-dire des enseignants qui sont formés à l'étranger en dehors du Canada. Okay? Donc, si vous êtes enseignant en France, en Belgique, au Cameroun, au Zimbabwe, je sais pas, au Yémen ou au Guatemala, peu importe. Là, on va cliquer ici pour avoir les différentes voies. Donc, ici, on voit cette page-là qui nous apparaît et ils disent que les différentes voies d'accès menant à la profession enseignante pour les personnes titulaires d'une autorisation d'enseigner délivrée à l'extérieur du Canada. Okay? Donc, en vertu du règlement sur les autorisations d'enseigner du 15 décembre 2021, donc c'est très récent. Donc, pour pouvoir enseigner en formation générale, OK? Il vous faut, donc là, on prend pas, là, tu as déjà ton diplôme d'enseignant de l'étranger. Mais en dehors de ça, il faut que tu remplisses les conditions qui sont ici. Et donc, si tu veux enseigner en formation générale, donc, vous devez obtenir un avis d'admissibilité conditionnelle, c'est-à-dire réussir l'examen de langue du ministère. Ça, c'est pour l'article 37. Avoir un permis probatoire d'enseigner. Et ils vous disent que le permis probatoire d'enseigner est valide pour une durée de 5 ans et peut être renouvelé si tous les cours inscrits sur le permis probatoire d'enseigner sont réussis. Dans le fond, ici, vous avez des cours supplémentaires à suivre. Une fois que vous aurez réussi tous ces différents cours-là, vous allez donc avoir un permis probatoire pour pouvoir enseigner en formation générale. Ensuite de ça, il y a des conditions à remplir pour la délivrance d'un brevet d'enseignement. Donc, après avoir obtenu le permis probatoire, il vous faut un brevet d'enseignement. Donc, pour avoir ce brevet-là, vous devez réussir 3 unités sur le système scolaire du Québec et 12 unités en éducation dans une université québécoise, soit 3 évaluations des apprentissages, 6 en didactique, 3 en intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. Ensuite de ça, réussir un stage probatoire. Une fois tous ces
critères-là, toutes ces conditions-là réussies, vous allez avoir un permis, un brevet plutôt d'enseigner. Okay? Ça, c'était pour la formation générale. Là, maintenant, nous sommes en formation professionnelle. Donc, pour pouvoir enseigner en formation professionnelle, vous devez obtenir un avis d'admissibilité conditionnelle, donc réussir l'examen de langue du ministère. Les tests de langue, c'est très important ici au Québec. Ensuite de ça, vous allez avoir un permis probatoire d'enseigner et le permis probatoire d'enseigner est valide pour une durée de 5 ans et peut être renouvelé si le cours sur le système scolaire du Québec est réussi. Donc, vous allez avoir votre permis probatoire d'enseigner d'une durée de 5 ans. Mais une fois que vous aurez réussi le cours sur le système scolaire du Québec, vous allez pouvoir renouveler votre permis probatoire d'enseigner. Maintenant, là, on va parler des conditions à remplir pour avoir votre brevet d'enseigner. Donc, une fois que vous avez déjà eu votre permis probatoire, là maintenant, vous voulez avoir votre brevet d'enseigner. Vous devez réussir, pardon, 3 unités sur le système scolaire du Québec et réussir un stage probatoire, ce qui vous donne donc le brevet d'enseignement et vous permet donc d'enseigner en toute légalité et conformité selon la loi. Donc, ils ont dit que c'est très important, donc vous devez veiller, noter qu'en vertu de l'article 37 du règlement sur les autorisations d'enseigner, tout candidat au brevet d'enseignement ou au permis probatoire d'enseigner doit avoir réussi l'examen de français ou d'anglais écrit reconnu par le ministère à cette fin. Okay? Donc, ça, c'était les exigences. Là, maintenant, on va aller au niveau de l'immigration. Donc, ce que vous devez savoir, donc, au niveau des informations en lien avec l'immigration, on va aller au niveau du gouvernement du Canada. Là, on a donc le site de immigration et citoyenneté et là, on a les informations qui sont à jour, la service et renseignement, ma demande, visiter, travailler, immigrer, études, citoyenneté et tout. Donc, vous, quand vous allez venir, donc, c'est plus vraiment le côté, donc, travailler qui va vous intéresser parce que vous aurez obtenu au préalable soit une offre d'emploi pour travailler au Canada en tant qu'enseignant, ou si vous voulez vous mettre à niveau, vous pouvez venir faire soit ou refaire un bac en enseignement. Maintenant, je veux que là, vous savez que ce site-là existe. D'ailleurs, vous allez le trouver en lien en barre d'infos. Et ensuite de ça, on va revenir ici. OK? Ici, là, j'aimerais qu'on regarde un peu plus ce côté-là, ce côté droit, ce côté gauche de l'écran. Donc, là, on a un petit onglet qui nous parle de découvrir la profession d'enseignant. Okay? Donc, vous avez les niveaux, différentes tâches qui sont ici. Donc, au niveau du secondaire, donc à l'éducation des adultes ou à la formation professionnelle, vous avez des points suivants qu'il faut donc effectuer. Donc, ce sont les points suivants qui vont résumer l'essentiel de ce que fait un enseignant au quotidien. Donc, vous avez préparé les outils d'apprentissage, offrir des séances de cours aux élèves, évaluer le rendement, etc., etc. Donc, les profils qui sont recherchés en tant qu'enseignant au secondaire. Donc, vous devez avoir des habiletés relationnelles, OK? Donc, créer des liens significatifs et durables avec les élèves, avoir le sens de l'organisation, maîtriser la matière que vous enseignez. Ça, c'est très important. Ensuite de ça, on va arriver bien sûr au salaire, hein. Vous êtes payé entre 46 527 dollars et 92 027 dollars par année pour un enseignant régulier à temps complet. Et sachez qu'il y a des conventions collectives des enseignants qui vont venir à échéancer le 31 mars 2023. En fait, les conventions collectives permettent de réguler un peu les emplois parce que ben, tous les enseignants vont gagner la même chose selon les échelons et tout. Et si vous voulez savoir plus d'informations sur les conventions collectives, vous allez trouver le lien ici. Vous n'aurez qu'à cliquer.
Ensuite, au niveau des conditions de travail, donc en travaillant comme enseignant, vous avez droit à des banques de congés maladie. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, tu devais travailler lundi, que tu ne peux pas y aller, tu es malade, donc tu prends un congé maladie et ce congé-là est payé. Ensuite de ça, il y a des congés spéciaux, il y a un régime de retraite et d'assurance. Ensuite de ça, tu peux toujours bénéficier des formations continues qui vont te permettre de mettre à jour tes connaissances, où tu vas améliorer donc la communication et aussi sache que ces formations-là sont des cours qui sont en ligne, ouverts à tous, sont des cours universitaires également, soit des congrès et des colloques ou des projets de recherche, OK? Donc, il y en a vraiment en masse ici. Là maintenant, une fois que vous avez regardé un peu c'est quoi les principaux tâches, on va venir ici devenir enseignant. Donc, devenir enseignant, vous savez que plusieurs parcours professionnels et scolaires vont mener au métier d'enseignant et les perspectives d'emploi dans le domaine sont excellentes au Québec. Ça, c'est vrai. Donc, il est possible de devenir enseignant au Québec si vous êtes présentement en choix de carrière, sur le marché du travail, en processus de réorientation professionnelle, enseignant d'une autre province ou d'un autre territoire canadien, ou un enseignant désirant immigrer au Québec. Donc, là, c'est comme le lien qui vous permet de demander ou renouveler une autorisation d'enseigner. Donc, ici, vous avez tout ce que vous devez faire, en fait, tous les critères que vous devez remplir. Ça, c'est le service de demande d'autorisation d'enseigner. Donc, là, vous avez le guide pour faire une demande d'autorisation d'enseigner au Québec. Si vous êtes sur le point de remplir une demande d'autorisation d'enseigner ou de demande de renouvellement, veuillez noter que pour être admissible à l'obtention d'une autorisation d'enseigner, vous devez répondre à l'une des conditions suivant. Donc, premièrement, être inscrit dans un programme agréé de formation d'enseignement dans une université au Québec, être titulaire d'une autorisation d'enseigner dans une autre province ou un territoire au Canada, posséder une formation en enseignement ou une autorisation d'enseigner dans un pays autre que le Canada, posséder une autorisation d'enseigner délivrée au Québec et destinée à être renouvelée. Donc, ce que vous aurez à faire, c'est simplement venir ici sur ce lien-là, hein, OK, venir ici sur ce lien, faire, non, sur ce lien, en fait, il va vous permettre de découvrir un peu c'est quoi les perspectives d'emploi en tant qu'enseignant. Et si vous désirez donc faire une demande d'autorisation d'enseigner, vous allez cliquer ici. Si vous désirez faire une demande de renouvellement aussi, vous allez cliquer ici. Donc, c'est l'une ou l'autre. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez cliquer ici sur débuter et vous allez suivre donc toutes les directives qui vont vous être demandées. Donc, voilà les gars. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'espère que je vous ai montré quand même une bonne vidéo, hein, OK? Une bonne vidéo qui vous permettra donc de savoir c'est quoi les différentes conditions. Je vous laisse ce lien-là en barre d'informations, mais sachez que c'est très important d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mais sinon, vous pourrez toujours naviguer sur ce lien. Vous pourrez lire d'autres informations, donc comme immigrer et enseigner au Québec, bénéficier d'un soutien financier, obtenir ou renouveler une autorisation d'enseigner. Je vous ai montré le lien. Et une fois tout complété, trouver un emploi en enseignement. Tout ça, vous retrouvez ça ici. Donc, j'espère que vous allez aimer ma vidéo, hein. N'oubliez pas surtout de liker, mettez beaucoup de pouces bleus, partagez la vidéo à vos amis et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'être toujours là présent. On se voit bientôt. Bye bye.